Salut! Bon, aujourd'hui, on vous fait une vidéo dans la voiture parce que on a acheté des trucs chez Action. On ne veut pas faire la vidéo à la maison parce qu'il fait chaud. Ouais, il fait chaud et du coup, on s'est dit, bon, pour changer, on va vous faire la vidéo dans la voiture. Donc, on va vous présenter ce qu'on a acheté à Action. C'est là qu'il faut regarder. T'es rouge comme une écrevisse et moi, je suis noire comme une noire. Une arabe, quoi. Bon, mais on va vous faire. On boit un petit coup, hein. On s'est pris quelque chose de quoi boire. À bouffer et tout. De quoi manger. Et là, comme vous avez été nombreux à me demander un haul action, bah, du coup, je me suis dit, on va vous faire le haul action. Donc, si ça, avant de faire passer les choses, on vous explique ce que c'est. Je vous dis les prix. Il y a des trucs derrière. Quoi? Je t'avais dit de ne pas tout mélanger. Attends. Je pète. Je pense que ça va être un mukbang haul action, non? On commence par ça, comme ça, je mets derrière. Bon. On va déjà commencer par la bouffe. Il n'y a que trois trucs. Mais les canettes, mais... Donc, on a acheté des canettes. Mais bon, ça, on s'en fout. Hein. C'est juste des canettes Oasis qu'on a payé 69 centimes. Ça, on s'en fout. Elles sont fraîches. Ouais. Tu mets la tienne là. C'est mon trou, ça. Ensuite. Tu te trompes pas quand tu bois. Alors, ensuite, nous avons acheté des chips. Voilà, alors là on a pris des chips salés. J'aime bien la forme qu'elles ont parce que moi j'aime bien les petites chips comme ça. Et après elle a pris. Et après sucré. On en a pris, non, paprika. Au sucré. Je sais pas, tu dis salé. Et on en a pris au paprika. Voilà. Paprika. C'est confortable. Les gens ils vont croire, oh, elles sont contentes d'acheter des chips. Ensuite. Il n'y a plus de bouffe. C'est ça. Et après, tu sais, on en a pris au fromage. Alors là, les chips ils étaient à. Les chips étaient à. Là, celle au fromage 1,35 et celle au. Celle au. Commence pas. No. Et les sticks elles étaient à 89 centimes. Ensuite, vous savez qu'à Decathlon ils vendent le masque. Vous savez le masque pour aller sous l'eau. Et en fait j'ai trouvé le même à Action parce que Chachouna il adore aller sous l'eau. Par contre, c'est un XS, donc j'espère que ça va lui aller. Mais la meuf, elle a dit, tu peux pas l'ouvrir, mais si, c'est un truc qui se dézipe, là. C'est juste qu'elle avait pas vu. J'espère que ça va lui aller. Fais voir si ça me va, moi. Et vous savez qu'à Decathlon, il est à 20... Je sais plus si c'est 25 ou 29 euros. Donc du coup, là, je l'ai trouvé à, à Action. Putain, ça a l'air petit, non? Vas-y, essaye, toi. Ça a l'air petit, non? Et en fait, à Action, il est à 15,95 €. C'est bon ou pas? Ben, tu prends. Hein? Si, ouais, ça va. Ouais, 15,95 €, ça fait 10 € de moins quand même. 10 ou 15 € de moins, ça dépend si elle est à 29 ou à 15,99 €. Ou à 25. Regardez, mais qu'est-ce qu'elle met celle-là? Bref. Voilà. Donc là, si vous cherchez des masques et tubas pour la plage, là, c'est le moment, ils sont pas chers à Action. Ensuite. Mais au garage, qu'est-ce qu'il y a après? Les chips là. Hein. Vu que Shaïn joue à Fortnite, il est tout le temps en train de s'énerver devant l'ordinateur. Ah ben, je lui ai acheté un anti-stress. Voilà. Et en fait, quand vous le connectez à l'ordi, et quand vous tapez, ça fait des bruits. Ouais. Donc ça, ça fait des bruits. Donc ça fait des bruits, ça va peut-être le calmer. Voilà, en fait, c'est un punch your stress out. Et celui-ci. Merci. Combien je l'ai payé celui-ci? Celui-ci 2,99 €. Ouais, 2,99 € il me semble. Ouais, il est là, 2,99 €. Donc ça va. Ensuite, ils ont sorti le coupe, vous savez. Regardez. Le coupe barbe qui va être pour ma fouf. Ouais. Regardez, c'est pour faire les formes de barbe. Oh putain, j'ai le pollen. Merci quoi. Vous avez pour faire les formes de barbe, un truc là comme ça, et vous avez le tablier, vous savez qu'ils se vendent tous au miroir, et en fait quand vous rasez la barbe vous en mettez pas partout. Bon, ça c'est pour les mecs, hein. Et ça, ça m'a coûté 1,99 €. Voilà, c'est 1,99 €, hein. C'est chiant parce que je connais pas trop les prix, alors je suis à chaque fois obligée de regarder. Peigne barbier, barbe plus tablier, 1,99 €, pas cher. Ensuite on a pris un truc comme ça pour Tyssen et pour Shaïn parce que tout le temps ils mettent la carte de bus derrière le téléphone. Ils sont toujours obligés d'enlever la coque ou l'argent et tout ça. Et du coup j'ai trouvé ça. Donc Tyssen elle aura celui-ci, comme ça elle mettra ça. Bon, Shaïn il va plus aller à l'école, donc pour l'instant ça va pas trop lui servir. Et ouais,
J'ai acheté ça, mais faut pas qu'il loupe parce que s'il le colle sur une coque, ça collera plus après. Et ouais. Ouais. Bon, je vais lui dire qu'il le garde jusqu'à la rentrée parce que tout le temps, il enlève la coque pour prendre la carte de bus. Donc là, ça sera plus pratique. Et Tiziane, elle aura pris celui-ci. Et c'est trop bon. Celui-ci, ça m'a coûté. Alors ça, je crois que c'est 99 centimes, non? Ouais, c'était pas cher. On va voir si ça tient bien et tout. Festival, non. Non, ça, c'est trop de visage. 1,11€ pièce. Ensuite, j'ai acheté ça parce qu'il me manquait un port USB pour charger. Donc ça, j'ai trouvé ça. En fait, c'est une prise USB et vous avez d'autres ports USB, un port carte. Et ça, c'est pas mal. Ça, je l'ai payé, je crois, 1,95€. Ça, parce que c'est, ouais, c'est une rallonge USB, en fait, tout simplement. Et ça, je crois que c'était 1,95€. Je veux pas dire de bêtises. Non, c'est 3,89€, pardon. Ensuite, Tiziane, elle a voulu essayer les Beauty Blender. D'ailleurs, la caissière m'a demandé si tu les avais déjà essayés. Pourquoi elle aime pas? Non, pour savoir si c'était bien. Et en fait, elle voulait des Beauty Blender et du coup, elle a pris celle-ci. Je sais qu'il faut qu'elle soit bien molle. Mais elle m'a trollé au lieu de les ouvrir. Ben, pardon. Donc, vous en avez 3, on verra s'ils sont bien ou si c'est la merde. Et ça, c'était combien? Mais ça coûte cher une vraie. Ouais, les vraies, ça coûte cher. Pas, 2€ ou 1€. Donc là, elle a voulu essayer celle-ci. Du coup, vous avez la grise comme ça, là. Vous avez celle-là, vous avez la basique. 1,99€ les 3 pièces. Si vous avez déjà testé, dites-moi si c'est de la merde ou quoi. Comme ça, je serai à quoi m'attendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris? J'ai pris un shampoing sec de la marque aussi, que je n'ai jamais testé. Et celui-ci, je l'ai payé... Ah, c'est chiant de chercher les prix à chaque fois. 2,95€, ça va? T'excites sur la boîte, toi, non? 2,95€ celui-ci, donc ça va. Ah, tu mets tout derrière, là, à chaque fois? Ouais. Ensuite, j'ai pris, vous savez, il y a les ventouses pour derrière. Moi, j'aime bien ouvrir. Il y a les ventouses pour mettre derrière le téléphone. Vous savez, pour tenir le téléphone. Ben là, j'ai trouvé carrément une sangle. Voilà. Donc, en fait, vous tenez votre téléphone. Tu vas pas la mettre maintenant? Non. Comment ça fait? Pas maintenant. Vous tenez le téléphone comme ceci, en fait. Et ça, je l'ai pas payé cher, ça. Parce que du coup, j'ai pas trouvé la ventouse. J'ai trouvé celui-ci. En plus, vous pouvez faire plein de choses avec. Regardez. Vous pouvez mettre le téléphone comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou tenir comme je vous ai montré. Et ça, je vais l'oublier dans la voiture, je le sens. Et ça, ça coûte... Ça coûtait... Attendez... Tu pourrais charger les prix, toi, en attendant. Ah, je me suis mis... Ah, mais par contre, il y a ma bouteille, là. Mais je me suis pas mis de la mort partout, je me suis juste un peu crépité... La bouteille, si, tu boiras ma bouteille maintenant. Mais non, j'ai mis la main. J'attume jamais ça, mettre la main. Ça, je l'ai payé 99 centimes. Ensuite, une housse waterproof pour aller à la plage. Parce que bon, pour la piscine, logiquement, les iPhones, à partir des iPhone X ou 7, c'est censé être étanche un peu, non? Ouais. Censé. Donc après, j'ai jamais vu quelqu'un qui est parti sous l'eau avec son téléphone, qui a testé. Si elle me dit que oui, mais on sait jamais. Moi, je connais quelques gens. Et du coup, on a pris ça. Parce qu'à la plage, il y a quand même le sel. Le sable, le sel, donc c'est quand même assez nocif. Ensuite. Assez nocif, mais attends, j'ai pas dit le prix. Et on l'a payé. On l'a payé 1,49€. Ensuite. J'ai pris ça, c'est. C'est quoi ça? Un baume à lèvres ou un. Ouais, c'est un baume à lèvres rouge. Je sais pas combien il a coûté. Je voulais dire ça. Et je voulais juste pas que ça fasse rose, donc moi je suis une personne qui teste instantanément, j'attends pas une semaine pour tester parce que je m'oublie. Donc on va voir ça. C'est un baume à lèvres teinté, 77 centimes on l'a payé. Mais trop sympa, une pute avec ça. Ouais, ça teinte. Hein. Allez, on va pas s'attarder une heure pour l'essayage, non? Génial. Mais quoi, c'est joli, si tu le veux pas, je le prends. Ensuite, on a pris, parce que là, c'est la fête de la musique ce week-end, et on a pensé à se décorer un peu. On a pris des strass pour le visage, après, fête de la musique, ou comme vous voulez, comme là, il y a beaucoup de pool party, etc., des choses assez bien. On a pris celui-ci. Ah non, on en a pris deux. Et moi, j'ai aimé les étoiles. Voilà, donc moi, j'ai pris les étoiles, et ça, c'était 99 centimes pièce. Donc ça c'était bien. Ensuite on a pris des nettoyants pour pinceaux. J'en ai pris deux. J'en ai pris deux. Un euro. C'était 1€ ça, les nettoyants pour pinceaux. Voilà. Dites-moi s'ils sont bien, j'ai pas encore testé. Mais voilà, pour le prix, on va nettoyer les pinceaux avec. Et ça sera très très bien.
Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Alors ça, on a trouvé ça, c'était génial. Vous savez, les adhésifs pour tenir les hauts. Par exemple, quand vous avez des hauts trop échancrés comme ça ou des choses comme ça, ben, vous avez les... On dirait que je suis à poil dans la vidéo maintenant que je pense. Et avec mon sacré coup de soleil là. T'as le droit d'être à poil, non? Et en fait, c'est des adhésifs pour tenir les t-shirts, les hauts, les bustiers. Regardez là, elle les a collés là. Il y en a 36 dedans, elle les a collés là. Et en fait, ça évite de son bustier de descendre. Et ça, c'est très très bien ça. Parce que ce week-end, quand je suis allée à l'événement à Montpellier, ben, pour faire tenir ma robe, ben, j'avais mis un adhésif. Et en fait, ça se voyait un petit peu et ça faisait pas très très beau. Donc ça, on l'a payé. Comment on l'a payé ça? On a pris deux, je sais pas. Ça, c'était... Ça, c'était 98 centimes pièce. Ensuite, on a pris une huile miracle pour les cheveux anti-protection de chez Aussie. Donc, c'est une huile protectrice pour les cheveux. Et en fait, j'ai testé sur ma main, c'est pas du tout gras. C'est sûr que c'est pour cheveux? Oui. Invisible filtre, protection et hydratation. Aussie, c'est que pour les cheveux, c'est une marque de cheveux aussi. Spray capillaire, protège et hydrate avec filtre UV. Alors, j'ai pris celui-ci, j'ai testé sur ma main avant de l'acheter. Parce que quand c'est gras, j'ai l'impression que le soleil va faire frire les cheveux. Vous savez, comme un bain d'huile. N'importe Donc quoi. Du coup, celui-ci, ben, on a pris celui-ci et on l'a pas payé cher celui-ci. Il était à... il était à combien? 2,95€. En sachant que ça coûte beaucoup plus cher en magasin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris? Tissène voulait s'acheter l'huile bio oil. Je l'ai déjà en fait, mais elle est vide. Elle est vide et elle a trouvé que ça avait bien fonctionné. Et en fait, on a trouvé ça. Qui ressemble beaucoup à la bio oil en bouteille et dans la description. Et en fait, ouais, c'est comme la bio oil parce qu'ils disent que c'est une huile corporelle 100% naturelle, c'est un soin pour la peau. Ça nourrit, adoucit la peau, pas gras au toucher, rapidement absorbé. Et en fait, ça convient parfaitement aux cicatrices, vergitures et taches de pigmentation. Voilà, donc ça c'est très très bien, elle va se tester, elle verra si c'est bien. Et celle-ci, on l'a payé combien? Pas cher. Celle-ci, je crois qu'on l'a payé. C'est bien de dire les prix parce qu'après, ils sont contents d'aller acheter ou pas. 2,89 non? 2,89. Ensuite, Tissane a voulu tester un mascara bleu turquoise. Ben ouais. Pour l'été. Ça serait ignoble, soit ça serait mignon. Peut-être pour la fête de la musique. Ouais. Elle va essayer. Ouais. Donc ça, on l'a payé combien ça? 99 centimes. Ça va. À tester. Je vous en dirai des nouvelles. Par contre, tu peux sortir ton pied de mon sac, s'il te plaît? Merci. Non, parce qu'elle a enlevé ses chaussures. Ouais, j'ai chaud, je transpire. Ensuite, on a trouvé ça qui ressemble fortement au Merci Andy parce qu'ils ont des odeurs, enfin qui ressemblent. Ils ont des odeurs en fait. Et ceux de Merci Andy, je sais qu'ils sont vraiment bien parce qu'ils sentent super bon. Ouais, c'est normal, c'est moi qui t'en donne à chaque fois. Oui, tu as reçu un lot, donc c'est normal que tu m'en donnes. Et ceux-ci, en fait, bon, c'est des gels nettoyants pour les mains. Vous savez, c'est des gels hydrauliques. C'est ça, c'est des gels hydrauliques. Mmh. Et ça, on les a payés. Alors, c'est la caramel. T'as pris au caramel les deux? Ouais. Bon, elle a pris un pour elle et un pour Shaïn. Et ceux-là, on les a payés... 1€, je crois. 1€? Un peu plus, hein. 1,11€. Parce que ça, je les ai vus, hein. Cherche 1,11€, tu vas le trouver. T'es sûr? Oui. Bon, on les a payés 1,11€, alors. C'est ouais, fin. C'est ça, 1,11€. Bon, après, hein, merci à Andy, c'est pas très cher non plus, hein. 2€, 2,50€. Mais bon, c'est des senteurs différentes. Ensuite, Tissane a pris des protèges slip. 89 centimes parce que c'est pas trop cher à Action. Ensuite, on a pris. J'ai pris un body glow. Voilà. Une crème glowy pour Fenty, le corps. Ouais. J'aimerais trop avoir la Fenty. Ben, économise, tu te l'achètes. Ben, j'y vais demain. Donc, ça, c'est censé faire quelle couleur? C'est bronze? C'est bronze, non? Aucune idée. J'ai juste marqué 1,79€, on l'a payé. Ben, tu l'as ouverte ou pas? Non, c'est fermé à clé. Ben, tu peux l'ouvrir. Tiens. Moi, j'ai mes chips. Oh là là. Je vais prendre 20 kilos. Tiens. Des chips. Ouais, en fait, ils sont censés faire ça. Bon, on verra bien. Hein. Sur la peau. Ouais, au soleil, ça fera joli. Ça pas trop d'odeur. Hein. Bah, il reste quoi? Il reste quoi? Que ça? Et ensuite, on a pris des bracelets. On voulait vraiment des bracelets pour les chevilles. Donc on a trouvé des bracelets élastiques parce que c'est beaucoup plus pratique ben, à enfiler que quand ceux qui... Parce que moi j'en ai avec élastique et avec boucle. Avec boucle c'est chiant. Ça on le met, on les retire. On a pris trois couleurs différentes et on fera un petit mélange, on va se les partager.
pris comme non, ça. Je prends ce que j'aime. On a pris comme ça. Et on a pris comme ça. Et ça, on les a payés, les bracelets, on les a pas payés cher. 80 euros. Ouais, je crois qu'on les a payés 99 centimes, quelque chose comme ça. Je les ai vus là tout à l'heure, ceux-là. 99 centimes pièce. Donc voilà, on a pris tout ça. T'es sûr qu'il n'y a plus rien ou il me semblait qu'il y a plus de choses? Non. Mmh. Non, mais voilà, on n'y a plus rien. C'est déjà pas mal, hein? Ouais, c'est déjà pas mal. Donc, ben, merci Action. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas été Action. Ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas été Action? Une semaine. Non, 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 arrête de mentir, ça fait au moins 2 mois. Ouais. Donc, du coup, je n'avais pas refait de haul. Ben voilà, posez-moi des questions. Dites-moi si vous avez testé des choses, si vous avez trouvé ça bien, si vous avez trouvé ça trop nul ou pas. Et, ouais. Et puis, dites-nous si vous avez trouvé aussi des choses mieux que nous. Et si vous a, on vous a aussi donné ben, des idées. Voilà, des choses à acheter. Voilà, des sous à gaspiller. À chaque fois que je fais des snaps où je montre les trucs, on me dit tu vas encore me faire gaspiller des sous. Donc là, je vais encore vous faire gaspiller des sous. Et on est là pour ça. On est là pour vous faire gaspiller des sous. Voilà, donc vous faites des gros bisous. Et on vous dit à très bientôt. Bye bye.